Bonjour fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Au cœur de nos défis. Et abonnez-vous massivement sur votre chaîne Diego Mukisi TV New Look. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier Milembwe. Dossier Oyo et Pessi Passi Naba Congolais Nyonso et le monde entier. Balingi, Bateka parti Moko. Une partie de la République démocratique du Congo. Nani alingi ateka yango ou nani alingi apesa ngo ba rebelle ou soit ba rwandais comme cadeau to yebiti. On va essayer d'analyser, de donner aussi nos points de vue en ce qui concerne ces dossiers. Alors, j'aimerais dire ceci. Le dossier Oyo est kéré presque moto nyonso. Waza congolais, wayebi passé à Congo, ayebi souffrance à Rana Congo, mboka oyo depuis bakoko batike la biso, si lilo, un individu, un étranger, oya kota na sol congolais, donc par moyen de négociation, par moyen de diplomatie, nde salaya zala awa, il a voulu vendre une partie de notre pays. Alors, les Congolais nyonso baza très fâchés. Bakoki jamais kotika dossier wana le kaboye. Dossier za awa Milembwe ezali une territoire rural na kati ya Kivu. Dossier oyo epesi pasi pourquoi? Un ministre de la décentralisation onga na obenga Roubaix Roi. Je suis rebelle. Ce qui est le cas, c'est que je suis rebelle dans le Congo. C'est parce que avant d'avoir une diplomatie. La diplomatie est salée à l'Awa. Mais ces gens n'accepteront pas que je suis congolais. À la question qui me témoigne, mon bimba, mon plan, mon projet macabre, je suis rebelle pour déstabiliser, pour balkaniser le Congo. Ce pays ne sera jamais balkanisé. À aucun jamais. Le fait président Mobutu a dit, le Congo restera un et indivisible. Donc, s'il faut aller faire l'impact avec les diables, Mobutu a l'obé en haut. Pour le Congo, il y a un mot et il y a un mot. Dossier Oyo et Pessi Passi. Comment? Un ministre, l'éternel ministre, depuis qu'il est ici, dans le Congo, à Zalaga ministre, et puis ministre, il y a un ministère qui a manqué. Il y a décentralisation. Comment ça? Comment on peut expliquer cela? Ceux qui battent le lot, ils ont aussi le temps, ils ont le voix, ils ont le bac. Le FCC égorge au sein de cette plateforme des ennemis du peuple. Le lot, ils ont dit que le FCC, comme on a le cas là, vis-à-vis du peuple congolais, comme le cas de démon. Parce que dans 4 ans, ils ont occupé à ce bazali. Nous avons dit que un étranger rebelle. Qui a oublié ça? Aujourd'hui, à l'est du pays, parler de Roubaix Roi. Mais c'est terrible. Il y a des gens qui ont été à qui ne co-inaugurer commune rurale. Heureusement, Dieu bon, Nzambe a tiré à Congo. Ce pays, ils ont mouru au Nzambe à tiré beaucoup au hasard en Akadi. Et à cela, ton côté en a vif yalikamo. Comment un ministre peut-il déplacer à quel voyage pour nous inaugurer? Ok. La majorité du gouvernement va éviter. Roubaix Roi, ministre de la décentralisation, l'éternel ministre Tobé Ngaye. Pourquoi l'on voit? Depuis qu'on a posé, on dirait pas Naye. Adresse Naye. Donc, adresse à l'Opang, on a depuis Vanda, Vanda Kawana. Donc, tout le monde a remplacé à Zate. Donc, lui, il reste comme éternel ministre. Remaniemé Goya, Nyon Seko Salama. Mais Roubaix Roi reste toujours le ministre de la décentralisation. Mboka Oyo
Boki maka bitumba. Na bamboka na bino. Ba guerre. Boye ko se réfugier na mabele na biso ya Congo. RDC. Vous avez demandé la nationalité. Toki accord ya San City. Ba pesi bino nationalité congolaise. Alors, comment est congolais? Ne singa bon nasa congolais. Na ko ki ko réclamer une partie ya mabele mboka nanga. Donc bino bozoki nationalité congolaise pour vous aka protéger pour ki maguerre mboka na bino. Mais vous voyez que mission est précis. Des missions précises. Qu'un jour, vous avez mabele à Congo. Sur les 450 tribus, vous avez la RDC. Vous reconnaissez Bino comme les Congolais. Les Niamoulingues, nos frères. Hein? Biso, tout ce que vous considérez, vous avez dit que Bino, mais Moko, on ne sait jamais. Vous avez dit que Bino, vous avez dit que Bino, vous à travers Robert Roy. Ou azo mérité ba kanga ya ta ko kanga hein azo mérité prison azo mérité destitution hein to ko yero ba député ya solo rentré parlementaire ya ngozo salama voici des dossiers au binu boko sala lelo isa ya ngona to zela binu onga député onga inde abenga nga nani bakumisa nga onga ni na lobake bele. Robert mérite d'être destitué na poste wana. L'éternel ministre il y a décentralisation. En 2013, Matapo na signé décret wana. Donc comme le 2015, bah suspendre en haut. Le même décret est zongi na 2020. Malheureusement, le président est vigilant. A annulé en haut. Peuple congolais au Singapour, le président Fachi. A annulé en haut, a su qu'à Wanadi. Dès qu'on a loué Wana, il faut pas supprimer en haut. Pour que, dans les jours à venir, dans les années qui viennent, aux Oya Liboso, Bane Oya, et ça a eu ce problème. Nayango, Tokita, moi mouki. Le Congo, c'est un pays qui manque ce qu'on appelle la politique extérieure. Bien sûr, le président de la République a adopté sa politique. Il y a pour nous les voies, il y a diplomatie. Mais le président de la République, la diplomatie marche avec la politique extérieure. Lorsque nous parlons de la politique extérieure, nous voyons les actions de l'État qui sont tournées vers les dehors. C'est l'ensemble des lignes maîtresses, des axes prioritaires, des actions de l'État vis-à-vis de son environnement. Mais le président de la République a adopté la diplomatie. La diplomatie, c'est le monde des charmes, c'est le monde de la négociation. Et quelle diplomatie que le président de la République a adopté? Parce que la diplomatie est dans la branche. Non. Nous avons la diplomatie nouvelle, la diplomatie traditionnelle, la diplomatie coercitive. Sur tout ça, c'est très capital. Le lot, je vais vous dire, c'est une zangi politique extérieure. La politique extérieure fait appel. Il y a géopolitique, OEP Sarabiso, vision. La politique extérieure fait appel à la géostratégie, OEP Sarabiso, prévision. La politique extérieure nous donne, OEP tactique de gestion. Gestion, il y a choses publiques. Tout ça en République démocratique du Congo, et ça l'a raté. Tout le monde a raconté. Où sont la vision? Ou puis prévision, ou puis gestion, il y a des choses publiques. Ni on se rend, ils ont bafoué. Ces trois facteurs, et ils ont coupé sa mission politique extérieure. Non, que nous sommes malin, mais au bazar, tout autour, il y a le président de la République, il faut que nous ayons une notion, c'est très capital. Ce qui est le lobby,
bah journaliste comme permis une notion haut, c'est grave. Ces trois facteurs au Isali, géopolitique, géostratégie, tactique de gestion. Au je peux servir sur vision, prévision, la gestion. Il y a choses publiques et puis ça car politique extérieure. Politique extérieure te définir en local là. Ensemble des lignes maîtresses, des axes prioritaires vis-à-vis de l'environnement extérieur de l'action de l'État tournée vers le dehors. Et politique extérieure et précipice, trois piliers, c'est très capital. Nous ne voulons pas les gens, au bas, même la présidente de la République, pour nous amadouer, pour nous retourner à Ndakou. Pendant que le peuple souffre, il y a matière, une notion. Il y a une personne qui est de la République. Aujourd'hui, le président de la République, tant qu'il a prononcé une phrase, et ça, ça la passe. Le président a dit, pendant que je avant d'annuler loi wana oyo et parce que qui est et pour le loba comme c'est milembo commune rurale et qui est maboka ba niamulengi nos frères rebelles ngala benga bongo nos frères rebelles. Le président a dit dans son discours dans la conférence naye que c'était arrivé lorsque j'étais absent du pays. Donc président Zana il y a des choses qui se passent derrière son dos. Le président Fatou a été. Président Aye Barakati. Basalaboué, Nazalagite. Basalaboué, Azalagite, Aye Barakati. Il y a un peu de temps. Président Lobby, c'était arrivé lorsque j'étais absent du pays. Et ça passe. Namawa. Parce que le président Aye Barakati m'a emmené. Un général a voyagé dans le ministre d'État en charge de la décentralisation. Président Aye Barakati. Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Explication ni occupé sa peuple congolais pour sa chef à gouvernement. Tu es censé yako contrôler ba ministre na yo ndenge bazobima. Bon que c'est surtout que non ministre ya bagite que Robert ne ko inaugurer milieu de comme commune rurale. Dans la politique extérieure, nous avons trois piliers. Toi, on a armée. Pilier Liboso. C'est le monde de chantage. Le monde de la brutalité. Le monde de force. Toi, on a diplomatie. Oh, c'est un monde, il y a charme, il y a négociation. Il y a compromis. Toi, on a renseignement. Oh, on a en anglais intelligence. Le président de la République a adopté diplomatie. Et ça m'a bêté. Mais la diplomatie est assurée, consiste à assurer la matérialisation. La diplomatie consiste à assurer la matérialisation du programme du gouvernement. Et qu'il n'aura de pair avec politique extérieure. Ce qui m'a dit aux armées de diplomatie et marché. Le renseignement. Pourquoi j'ai dit l'armée? Pour négocier ou pour trouver des compromis. Dernière diplomatie, le président a adopté et qu'il faut une armée qui est forte. Pour ceux qui ont négocié, simité, et ceux qui ont bundi. Le président a adopté la diplomatie, sera qui est diplomatie simité.
et que nous avons attaqué RDC. Tout le monde est là. Parce que nos généraux sont corrompus. Nos généraux sont corrompus. Nous voyons ce débat qui est un peu de couffre. Le général, le généraux, il va s'enrichir. 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 Il va $45,000, $200,000. Va son mapa on a gombé. Tout le bâti. Ne cherchez pas à me menacer. La ligne m'appelle anonymité. Même si vous le faites, non, on va en arrêter. Que calmez-moi. Bon, quand on a montage, laisse. Bon, quand on a montage. Que calmez-moi. Service et renseignement. Babé, il y a un monde d'espionnage. Il y a un monde d'anticipation. Lolo, le procès de la République, bien sûr, a l'obligé à y baguiter. Il y a un service de renseignement qui va y baguiter. Il y a un service de renseignement qui va téléphone de la population. Il y a un service de téléphone. Il y a un service de la République. Outrage contre le président de la République. Mais est capable de service de renseignement pour détecter. C'est votre travail. Vous devez le savoir avant que Roubaix Wakende inaugure Ninoa. Milieu comme commune. Il fallait bien voir. Mais vous voyez bien. Bah, nos chers, nous sommes en théâtre. On dit souvent que la RDC est un état singleton. Oui, bien sûr. Mais scientifiquement parlant, moi je dis non. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que la RDC manque la politique extérieure, qui est la politique de grandeur, la politique de rayonnement, la politique de hégémonie, la politique de puissance. Mboga Oboyana, armée à forte, pour qu'il jamais vous négocier. Même si vous avez négocié. A cas de pépin, à cas que on a honoré, dans Mboga Otomoni, vidéo circulé. Un colonel, il y a M23, à sa vidéo. Il y a un Hollanda. Qui dit, tout ça bel et bien, na kati ma belé ya Congo. Précisément, dans le territoire, il y a Rutshuru. Aza ko se vanté, mais tout ça dans la position moko inoffensif. Gouvernement, il y a Marambo. Ba rebelle, il y a M23, basé na Congo. Dans le territoire, il y a retour. Mais dans la position, la position inoffensive. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est encore le président de la République. C'est le président. Il y a un président qui a salé. Sauf que c'est ce qui ils vont attaquer. Mais ce pays, en 2014-2015, avec l'ex-président de la République, lorsqu'il a donné le feu vert, paix à son âme, Mamadou Ndala et son général Bahouma, ils ont éradiqué, c'est ça le mot, éradiqué le mouvement du 23 mars, au bien à M23. Mboka Oyo. Soutenu Makenga, oh le lazan a kata retour à Kibanga Congo. Mamadou Ndala n'a pas soldat naé, n'a pas combattant naé, bah Kimisa est Congo. Tout le monde a une photo dans Mboka Oyo. Ça, c'est quel pays? Dans Mboka Oyo, tous ceux qui ont hébergé les rebelles, les gens qui ont failli trahir ce pays. Bateau, Mboka Oyo. Le quoi là-bas? Comment il s'appelle ici? Oh, aïe, le logo, n'importe quoi. Il faut tout le monde. Tous ceux Congolais, tout le monde a dit Roger Lumbala. Nous avons vu des photos, il y a Roger Lumbala. Assis. Au milieu, il y a Soutani Makenga na Bosco Taganda qui paye à se piriger dans ces pays. Tout le monde, ce sont des traîtres. Mais Batali Wanadi, tu as voté Roger Lumbala comme député en 2011. Roger Lumbala a préféré y accomplir une mission au peuple à PC dans l'Assemblée nationale pour aller au Sangalana ba rebelle il y a M23 pour pas ma biche ba congolais. Tu le vas monter le lot. L'autre monde est sous la carte, il y a FCC. Moutoussou est ma babimi, le roi Roubaix. Donc, et c'est déjà ma plan moko, et si ma salaire en haut, le roi la
ba moyen ya ko exécuter ba plan wana ezala ki bango te. Ils ont voulu maintenant que Fachi aille à la présidence de la République. Bon, Fachi, tu as manipulé Fachi, tu as joué, tu as salué, tu as exécuté ma peine à Bissot. Le président de la République. Le peuple congolais a perçu confiance. Le dossier à Milimbwe et Rolega Boïti. Il faut qu'on se le dise. Tu as dit sanctionné l'Andané Yomoko au Lakaki. Il faut que tu aies un président. Il faut que tu aies un face. Je ne sais pas si face à pour battre le lot, pour respecter la République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Nathaniel Bino va piler la politique extérieure. Va piler la politique extérieure. Le Congo n'a pas de politique extérieure. Le Congo n'a pas de politique extérieure. Roubaix, il y a comme ça, il y a un État régalien. Allons, on a vu ça. Un État démocratique. Donc comme un État régalien. État régalien, c'est État haut. Tout le monde a une partie, ma partie à Moka, ils ont qu'on s'échappe. Baso Kabayango, Roubaix a l'air comme ça, Congo, État régalien. Alors on a besoin d'un État démocratique. L'État haut, tout le monde a alternance, liberté d'expression. Ezali. Roubaix a mérité d'être arrêté. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas un ministre de la Justice. Pourquoi pouf, allons-y. Tout le monde dit non, trop c'est trop. Botik a quoi Amadoué, président de la République. Les gens qui sont tout autour du président de la République. Boza quoi Amadoué, président de la République. Vous ne faites pas votre travail. Voici des notions. Il faut veiller sur la géopolitique, la géostratégie et la tactique de gestion. La vision, la prévision, la gestion de la chose publique. Et puis c'est politique extérieure, politique de grandeur, de puissance, de rayonnement. Et puis c'est trois piliers alliés armés. Et puis c'est diplomatie. Et puis c'est renseignement, le monde d'espionnage, le renseignement. Bon ça Moussa na binou ta service à renseignement. Non finga binou te mais na za ko la Moussa binou. Réveille-toi, toi qui dors. Président Zolobake, n'a pas habité. C'est que le président travaille dans Batumabe. Vous avez la volonté de travailler dans le président de la République. Vous avez besoin qu'il échoue dans le mandat. Alors que tout le monde le sait. Le président Zimboka, oh, par terre. Mboka, par terre. Président de la République. Un pays fort, une armée forte, c'est ça qu'on dit. Ce qui est armée, ils ont forte. Tokoyeba, qu'on négocie, Tokoyeba, service à renseignement, surtout ça, je m'attends sur ces trois piliers, l'armée, la diplomatie et les renseignements. Merci, Maître Kitima, le docteur Kitima, Jean Lucien. Mon professeur, le docteur Kitima Jean Lucien. Merci pour toutes ces notions que vous nous avez inculquées. Pour que le la notion au bon moment. Bon, ça va gêne. Oh, la notion, la boulimie du savoir. Bas à la paix, mais il y a le président de la République. Tout ça, là-bas, bureau d'études de l'Obra, mon vieux, mon confrère Christian Bossembe. Tout ça, là-bas, bureau d'études. Tout ça, là-bas, bureau d'études. Tout comme on a cogité ensemble. Pour trouver des solutions dans ma problème l'oral et ma problème oyo ce maïe c'est regrettable moi Diego Mukisi et ça quoi équerré et ça la passe na mona qui on a deux tout na l'amour qui pe na beleli il faut tout le monde le la TV tout peut ça la notion oyo tout l'accès à tout.
comment moko et koki vous a dirigé la politique extérieure. C'est très important la politique extérieure dans un état comme la RDC. Le Raymond Tshibanda Vanda, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Il y a un signé d'accord. D'accord, au Balabaka existe. Lui, quelque part. Toyoka. Tozawa, Tozana Bino. Le défi est belé à relever. Nous devons montrer au chef de l'État Makambu Oye Singeli à ça là. Ce qui va tout permet au président bah quoi qu'on le bamboute, il faut bien tout le bar. J'espère qu'il va comprendre un peu politique extérieure. Donc la RDC n'a pas de politique extérieure. Nous devons faire un effort. Le président de la République n'a pas programme naïe. Tosenga, papa Nabiso Nyonso, le garant de la Constitution, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, l'homme fort. Biso bana tozana ka pona soutenir yo. Mais que tu ba finga jeunesse. Mais jeunesse ezana boulimi de savoir. Sous ses alliés. Non, si on a un programme, na yo, na vision, na yo, na prévision, na yo, na tactique de gestion de la chose publique, on a adopté ces trois piliers de la politique extérieure. Il y a l'armée, la diplomatie, déjà tout le monde. Mais, service à renseignement, de, le monde d'espionnage, c'est bien une intelligence en anglais. Le monde d'anticipation, vous devez anticiper les faits. Pour comprendre, le long avec nos soucis à Roloba. Donc, on peut sa participation en l'aïe. Et en gros, on a pu s'y prendre. Le président, mon président Fachi, a adopté Kaka Fakiwana. Mais balé, où il y a irémologie, n'a pas polémologie. Merci beaucoup pour s'abonner. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino Diego Mukisi TV New Look. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. À la prochaine.